Salut, bienvenue pour une nouvelle note de lecture qui sera consacrée au livre Trembler mais oser de Susan Jeffers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet ouvrage? Donc ça s'inscrit un petit peu, donc c'est pareil, c'est dans la collection Marabout. Par rapport à Parents toxiques qui était un peu dans la même collection, je trouve que c'est vraiment très différent. Là on est vraiment dans la littérature du développement personnel, parce qu'on va retrouver un petit peu tous les classiques qui va être, comment dire, prendre du recul sur les choses, positiver et agir. On est vraiment un peu dans cette mouvance-là. Donc, pour résumer un petit peu rapidement, donc on va avoir une suite de, comment dire, de constatations. Donc trembler, oser, donc c'est bien ça. C'est vraiment, on va commencer par définir qu'est-ce qu'est la peur. Donc la peur qui est un petit peu la manifestation face à une, face, comment dire, à un obstacle qu'on va avoir et qui va manifester un peu le manque de confiance en soi qu'on peut avoir. Et pour Suzanne, Jeffers, ça va être la solution, ça va être d'agir en fait. Hein. De par l'action, ça va permettre de dissiper la peur et de pouvoir ensuite aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Donc j'ai pris quelques petites notes, hein. Je vais essayer de voir si... Hop, donc pour elle, c'est un petit peu comme la démarche un petit peu stoïcienne des philosophies. On va se retrouver sur... le fait qu'il faut agir sur les choses qui dépendent de nous, de vraiment prendre énormément de recul sur les choses qui ne dépendent pas de nous, et savoir être responsable en toute chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui nous arrive, il faut savoir dire « je suis responsable de l'événement qui arrive » afin de pouvoir essayer d'agir dessus, tout en prenant conscience quand même qu'il y a des choses dont on ne peut pas comment dire, agir dessus. Savoir également prendre du recul, c'est-à-dire que si par exemple il y a un obstacle qui arrive et qu'on est complètement déprimé parce qu'on n'arrive pas à le surmonter, c'est la représentation de l'obstacle qui fait que l'on déprime, c'est pas l'obstacle en lui-même. C'est-à-dire c'est un peu la même chose que je parlais des stoïciens qui disaient que face à la mort, c'est pas l'idée de la mort en elle-même qui fait peur, c'est la représentation de la mort qui nous fait peur. La mort, je parle un peu comme ça. Une chose qui permet d'avancer, c'est de positiver, voir toujours la vie du bon côté. Pour ça, elle recommande d'écouter des choses, d'auto-suggestion, un peu la méthode Coué, écouter de la musique relaxante, faire de la méditation. Ça, je suis un petit peu, je mets un petit peu plus de réserve là-dessus. Pour moi, voir toujours la chose du bon côté, c'est pas forcément bien parce que ça nous permet pas de savoir être un petit peu, pas forcément réaliste, mais pessimiste, pour moi c'est toujours une démarche qui permet de s'améliorer. C'est-à-dire voir un petit peu des fois le verre à moitié plein, permettre de prendre conscience des choses telles qu'elles sont, et de ne pas se mettre une sorte de voile et de masquer les choses. Mais après, elle le dit dans le sens où positiver permet d'engager à l'action. Plus on est déprimé, forcément, moins on fait de choses. Donc positiver permet d'être toujours, d'aller de l'avant et en permanence. Après on va retrouver tout ce qui va être choix gagnant, ce genre de choses, et dire oui à la vie, enfin bref, tout un petit peu le blabla traditionnel. Donc je vais pas faire une note de lecture très très grande, parce que j'ai trouvé le livre sympathique. Alors, il est pas très long, il est relativement riche, donc bon, c'est si vous avez quelques livres un peu de développement personnel justement, il y a beaucoup de redites, c'est un peu la même chose. J'ai trouvé la partie intéressante sur la peur et le fait qu'on nettoie la peur par l'action. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'elle aurait dû vraiment mener énormément de choses et aller que là-dedans. Essayer de comprendre et vraiment approfondir ce sujet qu'elle a, malheureusement, je trouve un petit peu survolé. Hein. Ça fait que la moitié de la partie. Je trouve ça dommage, mais bon. Après, derrière, bon, ça reste quand même un ouvrage assez sympathique. C'est pas mal. Voilà, bon. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce livre-là. Trembler mais oser de Susan Jeffers. Merci beaucoup, à bientôt.